On est mal et même maudit. Il faut du Harry. RS Quattro ou Ferrari. Je fais appel de phare, c'est sur la voie de gauche que je vais rester calé. Guette comme mon mani, ça grille les feux rouges dans tout Paris. Je prends virage à gauche, je prends virage à droite, mais je ramène le produit, le produit. Casse-toi, ferme-la, va là-bas. Il a totalement raison. Il est modobané, lui. Il a totalement raison. C'est qui depuis tout à l'heure, va niquer tes morts à des mecs qui essaient de raconter leurs problèmes? C'est toi ou c'est moi? Eh, tu t'appelles comment dans la vraie vie? Loïc. Non, arrête, frère. Tous les mecs qui t'aiment bien, ils ont des blagues bizarres. Loïc, Igor, que des blagues de fou. Ça se voit, c'est des fous. Tu t'appelles Nono? Quoi, c'est bien, quoi? Nono? Ouais. Ta mère, elle criait Nono, Nono, quand je la baisais. Elle aimait bien ça. Hein. Bref, Loïc. Ouais, dis-nous ton problème, mon frère. Alors, moi, mon problème, genre, j'étais avec une meuf. Elle avait 15 ans. Moi, j'en ai 14. Ouais. Et genre, elle voulait faire avec moi, tu vois. Ouais. Et elle voulait faire quoi? Bah, j'ai pris peur et j'ai fui. Putain, mais elle voulait faire quoi? Elle voulait baiser avec, frère. Ouais, elle voulait me ken, gros. Et genre, j'ai que 14 ans. Elle voulait te ken que... Ouais. Ok. Et alors? Et genre, comme j'ai. J'ai 14 ans. Ouais. Genre, j'ai fui. Et genre, j'ai fui. J'ai eu la bonne réaction. J'ai fui. Genre, elle est là, elle voulait ken et toi, t'as fui. Bah, pas vraiment, genre. C'est genre, t'as appuyé sur Richard, fils de pute. Dis pas fils de pute. Non, désolé. T'as fait quoi, genre? Elle était à poil devant toi, genre... t'as baissé ton pantalon, tu t'es dit merde, qu'est-ce que je fais? T'as remonté ton pantalon, t'as couru? Mais non, genre, on était dehors et puis elle m'a dit, vas-y, viens chez moi, on va faire des trucs et tout. Ouais. Genre, moi, j'ai dit, je suis désolé, je dois rentrer vite et je me suis Mais pourquoi? Tu peux nous raconter pourquoi ou pas? Ça dérange pas. Bah, genre, à 14 ans, je pense que bah j'étais pas prêt à. Et moi, frérot, à 13 ans, non, c'est bien, non, tu sais que c'est bien, frère, t'es fou. La vérité, c'est bien. T'es malade, mais bien sûr que c'est, frère. Il se préserve, fort, mais il se préserve. Mais toi, gros, t'as eu une enfance de merde. Toi, t'as un déchet de la société, gros. Toi, à 5 ans, tu fumais de la clope. Lui, tant mieux, frère, s'il baisse pas avec la première pute qui vient à lui, qui lui dit viens, on baise. Bah, il a raté son coup, hein. Mais il a pas raté son coup, frère. Il aura une meilleure meuf avec qui va le faire. Ah, c'est dommage pour toi, sale bâtard. Peut-être que lui, tu baiseras plus jamais. Lui, au moins, il te rend pas des tubs pour mettre des meufs enceintes, contrairement à toi. Lui, c'est bien. Quoi, tu chauffes toi là? Ou Kshan? Kshan, ça va te ban bêtement. Donc, c'est quoi le problème? C'est que t'es pas encore prêt là actuellement? Non, genre, le problème c'est. Est-ce que j'ai eu la bonne réaction? Ouais, je te jure, ouais. Si tu sentais pas que c'était le moment et tout, et que bah, genre, nique sa mère, soit t'auras d'autres occasions, tant genre, mieux. Genre, la tu meuf vois. Elle était déjà passée avec plein d'autres mecs, genre, elle m'avait raconté. Eh bah, tu perds rien, t'inquiète. N'écoute pas là, le nono, quand il te dit t'aurais dû baiser et tout. N'écoute pas, t'as bien fait. Je te jure, t'as bien fait. Ok. Genre, par terre, elle dit. Quand t'as un glaire, elle fait quoi? Elle le crache à côté de toi ou pas? Hein? Quand t'as un glaire, elle crache à côté de toi ou pas? Ouais. Oh, ta meuf, frère, c'est calme. Quoi, elle te passe sa veste quand il pleut ou pas? Non, elle m'a demandé de lui passer ses claquettes au camping, parce que sinon elle allait me bifler, elle a dit. Ah, tu bifles carrément, ah oui, d'accord. Quand t'es dans la voiture, c'est elle qui pose sa main sur ta jambe. C'est une expression. Elle pose sa main sur ta jambe quand t'es dans la voiture? Non, par contre, c'est moi, mais elle me dit lève ta main là, tu fais quoi? Ah ouais, mais. Elle met des DNA et tout, ta meuf, frérot. Mais elle est en survêt, hein. Bah, quitte-la, qu'est-ce que je te dis? Tu portes des jeans, tu fais quoi? Bah, quitte-la, à part si tu l'aimes vraiment. Attends, moi. Mais je l'aime, moi. Pour de vrai, je l'aime, mais elle, j'ai l'impression, je sais pas. Bah, fais-lui comprendre par des genre, pourquoi tu mets pas des robes? Pourquoi pas ça? Elle a dit parce que c'est pas confortable. Je te jure, ça me c'est pas confortable? Non. Dis-lui, c'est pas besoin d'être confortable, c'est besoin d'être belle, là. Tu vois, c'est quoi? Ah, mais. Genre, en fait, le problème, c'est que je pourrais jamais niquer avec elle, tu vois. Parce qu'elle est, je sais pas. Hein? Pourquoi? Parce que je tente un truc, genre, on s'est embrassé, mais je tente un truc et elle est là, elle me. Je suis deg. Mais frérot, elle me repousse, mais elle-même en même temps, c'est trop bizarre la relation qu'on a. Je pense qu'elle est un peu trop street, hein. Essaye déjà de lui dire. Essaye de faire ça. Frérot, va à Zara demain. Tu dis la tenue 2020 édition, je sais pas quoi. Tu prends la tenue des meufs. Tu mets ça, il va la voir. C'est bon? Tu m'envoies un update. Tu veux mon numéro? Hein? Tiens, mon numéro. Attends, je mute le stream. Ah. Oh, qu'est-ce que tu fais? T'es con? Allez, mon pote. Ciao. Tu m'appelles, hein, tu m'appelles pour savoir. Vas-y, t'inquiète. Vas-y, ciao, bisous.
Quoi, frérot, on n'a pas le droit d'aider les gens? Mais toi, je crois que toi, c'est juste une émission. Mais moi, je me dévoue pour les gens. Tu te dévoues à donner ton On n'est pas tous des qui vivent comme des rois comme toi. Hein. Parle français déjà, frère, et ensuite, t'inquiète pas le numéro. Tu vas rien comprendre. Mais il est con, mais toi, t'es con. T'es con. C'est JL Bichou qui me dit t'es con, c'est le comble. Non, mais alors là, toi, je pense vraiment que t'es le plus con. Ouais. Alors, attends, t'as redoublé? Ouais. J'ai redoublé, moi. Non, tu le bannes pas. Lui. La tête de ouais, la non, tête non, de voilà, tu le bannes pas. Eh, hey, tu le bannes pas, lui, c'est mon pote. Eh, baisse ta mère, c'est mon pote. Eh, toujours, je le banne, frère. Casse-toi, lâche-moi. Frère, dis pas bonjour, je pue de la gueule. Non, non, vas-y, dis-lui bonjour. Dis-moi bonjour. Ouais. Bonjour, ouais, Bichou, t'inquiète, on est ensemble. Hein, bah, je te jure, je te bats, lâche-moi. Non, mon frère, mon frère, contacte-moi sur Snapchat, mono DZZ13, je t'aime. Je te jure, je non, c'est bon, Bichou, casse-toi, bon, casse-toi. T'as vu, t'as dit. C'est quoi ton problème? Raconte ton problème. Raconte ton problème. En gros, il y a un an, si tu veux, je joue au foot tranquille et je me suis éclaté un organe, genre tout seul. Genre, je sais pas si vous connaissez la rate. La quoi? En gros, la rate. En gros, c'est un truc rempli plein de sang et en 4 heures, j'ai perdu plus de la moitié de mon sang. Et donc j'ai réussi à faire ça tout seul. Et voilà, c'est ça mon histoire. Un peu. T'as réussi à perdre 4 heures de ton sang? Non, non, plus de la moitié de mon sang en 4 heures. Genre, si tu veux, je suis gardien. Et en retombant, je me suis rentré mon coude dans le ventre. Et oh, oh, t'as rentré ton coude, de, genre vraiment rentré? Non, il est pas rentré dans mon ventre, genre. Il a juste tapé contre une de mes côtes et une de mes côtes a tapé contre mon organe et ça a explosé. C'est les rats, on est là pour non, ça. Yeah, yeah, yeah. Je sais pas, il m'a dit les rats. Moi, frérot, désolé pour ton organe ou je sais pas quoi, mais on n'essaie pas de régler des problèmes d'organe. Tu veux régler des problèmes d'organe? Vas-y. Tu vas à l'hôpital ou je sais pas, tu vas chez ta daronne la folle. Vas-y, frérot, on est ensemble. Vas-y. Cassez les couilles avec ces organes. On consomme pas les frères. Pas du tout, on cautionne pas, frère, tu veux que je te montre un truc. Mais quoi? Ah mais là il m'a cherché là. Ah t'abuses le téléphone. Ta mère le téléphone. Nique t'es mort. Thomas il va nous en quitter. Oh là là là. Attends, va changer de t-shirt, tu prends le roulé. Attention, le canapé. Non, c'est bon, c'est le canapé. Ouais, c'est le canapé qui a pris. Vous pensez qu'il le vaut ou pas? Michou, t'es un gamin, mais c'est lui qui a commencé, frère. Il a... Ouais, grosso modo, mais je sais pas. C'est quoi, grosso pas, modo c'est... Ils ont quoi à voir les modos dans l'histoire? Non, grosso modo, c'est le... C'est... Je sais pas comment dire, c'est un mot, tu vois. Tu connais pas grosso modo, le mot grosso modo? C'est ta mère, le grosso modo, frère. Il me dit grosso modo, ce fils de pute. Frère, parle avec lui, je parle avec lui, frère. C'est un mot, grosso modo, c'est un mot. Allô? Je crois qu'il est en train de m'insulter en cheveux, mais... je sais pas quoi. Attends, j'entends que d'un côté du micro. De quoi, y'a quoi, mon frère? Non, non, il croit que grosso modo, ça dit c'est un gros mot, en fait. Non, grosso modo, tu sais, c'est en mode de... En bref, tu vois. Genre, c'est un raccourci. Moi, c'est GTA. En gros, non, mais va te faire foutre, frère Nono. Comprends les choses. Genre, grosso modo, c'est en mode de. Il te fait un bref résumé. Genre. Ah, c'est genre quand on me dit en bref. En bref, ouais. Mais pourquoi tu me dis pas en bref au lieu de faire l'aristocrate là? Quoi? C'est ta mère la grosse. Comment ça, madame, c'est une grosse? Non, ça veut pas dire ça. Ils m'ont dit, fake. Non, mais non, mais écoute pas, fake. Toi aussi, grosso modo, ça veut dire en bref. J'ai lancé un débat de fou là. Voilà, il a dit grosso en grec, ça veut dire grosse. Mais non, frère. Non, arrête. Bon, vas-y, c'est pas grave. Ta mère la du grosse coup, à toi. Le patron et nous on croit pas trop à la chicha sous ballon. Tu te parles, tu racontes que des pires.